Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. On a votre avec des tas d'informations. Aujourd'hui, encore, on a dérapé information avec cause d'insécurité. Nous sommes capables de constater depuis quelques temps ces dossiers ça qui kembe information dans le pays d'Haïti à cause climat a détérioré chaque jour. Mais ça va dire pour autant quelques autorités dans le pays arrêté des bois croisés à regarder ça qui a passé. Dans la ville Gonaïve, il y a un commissaire gouvernement juridiction, M. Sera Gazius, dans tête collée avec la police dans la ville Gonaïve, a mené une opération hier après-midi, qui était lundi 26 avril, dans la commune Lesté, côté remetté en bas code deux individus qui c'est Jean-Philippe Simon et Fréli Jean-Philippe Romain. Deux messieurs Sarro t'a arrangé koyo pour faire touiller Jean-Philippe Michael et Marie-Li Sony Ulysse et un pasteur qui est Alcius Téléus. Dans le jour qui était samedi 25 avril, dans la commune Lesté, la police Kembe Mounsayo, pour vous m'en a parlé là, depuis hier soir, Mounsayo Sayo abdomi dans commissariat Villa Gonaïve pour y aller répondre à question la justice. N'a pas toujours été dans même mouvement ça tout puisque gagne commissaire dans ville Okaï en juridiction département sud pays dans l'idée pour déloger Tiati qui c'est un chef gang la police a cherché depuis bien longtemps. Et bien le commissaire gouvernement Villa Okaï ensemble avec la police dans ville Okaï a arrêté 7 monde et puis c'est 45 cartouches calibre 45, deux motocyclettes avec plusieurs autres matériels encore dans le cadre d'une opération qui menait dans plusieurs communes pendant le finissement du week-end passé. Plus d'états correspondant à Rosbetta Denistan depuis le département sud-pays. 7 moun jeune arrestation, 45 cartouches calibre 45, des motos et l'autre objet encore saisi. Ces bilans, diverses opérations, la police et le parquet au CAI mené dans plusieurs communes pendant le week-end qui s'est passé là, dans l'idée pour être capable de mettre main sous chef gang Tiati qui a fait la pluie et les beaux temps dans la commune Tankou Tobek, Chantal et Ducis. Chef parquet au CAI là qui t'a rencontré avec la presse 26 avril 2021 ça, fait qu'on ait individu sa yo ta gen lien serré avec chef gang lan et gen yon la dan yo ki ta sorti blessé ak bal pendant opération commissaire Ronald Richmond. La nuit 24 avril 2021 qui soldé avec arrestation de 7 et allié monsieur notamment Chéri Odès et Fleurissi Stanley, Joseph Réveillé, Stanley Tanis, Bernard Jean-Villers qui blessé par balle, les mêmes c'est bras droit Tiati, alias Tipa, Saint-Ville Watson et Félix Estiven. Donc c'est 7 mouns à eux qui trouvent arrestation dans le cadre d'opération. Il y a 2 qui ont arrêté du 6, il y a 4 qui ont arrêté Chantal, il y a 1 qui a arrêté 3 Mango et Bonnefin dans la commune Cavallon. Mais dans le cadre d'opération, ça, et nous saisissons 45 cartouches de calibre 45. Nous saisissons deux motocyclettes nous saisissons là-dedans, mon téléphone saisi, il y a des panneaux solaires qui saisissent dans le cadre de l'opération que la police avec la justice menait dans trois communes. Chef paquet Okaïla qui bail garantie force l'audio a travail pour capable mettre main dans collecte chef gang ça soulier gain l'autre monde tout y a chercher qui associé à gang ça qui spécialisé dans vente moto yo dans l'autre département. Depuis Villoca et département sud, Rose Bertha Denistan, Radio Pyramide. Merci en pile Rose Bertha, nous retournons dans le dossier insécurité, parce que c'est de lui n'a parlé. Au moins pour Pipiti, nous parlons dans le département l'Ouest, 5 mouns perdu la vie, on a une camionnette, à lundi 26 avril 2021, dans la zone Brooklyn, qui est dans la Cité Soleil, dans nos Port-au-Prince. Alors, on dit que c'est une attaque armée qui est orchestrée depuis dimanche en contre un chef gang armé, localité Tizilé, ensemble avec Machini qui à la base médecin ou bien assassinat ça qui fait là côté en pile monde a perdu la vie yo. Plusieurs blessés, en pile monde a confirmé que gagné monde cal pour soin l'hôpital. Qui s'acte à la base massacre ça ou bien fusillade ça. Et bien dimanche gagné Machine chef gang dans localité Tizilea côté identité l'a pas révélé, t'es subi des dommages après une attaque armée qui était perpétrée contre mon chez cela. Incident ça a produit un moment côté que t'as pas le gain enlèvement qui t'as pas essayé fait
Yo t'a pral ouais yo t'es capable franchir espace qui est occupé par l'autre groupe gang qui pas bien avec chef gang Tiziléa. Eh bien depuis les ça gen coup de zam qui t'est dérapé. Depuis les ça c'est panique dans niveau plusieurs quartiers qui gagnent dans commune Cité Soleil, voyez parmi eux Tiziléa et Brooklyn, deux zones ça une sorti pour Marie Goumé avec l'autre depuis dimanche torchon taboulé. Eh bien hier chaque chef gang dans zone ça ça qui vivent dans Tiziléa ou bien ça qui vivent dans Brooklyn a surveillé et quartier sérieusement pour une pas attaquer l'autre. Et c'est ton panique côté tout le monde d'app essayer ouais si tu es capable de mettre corps à l'abri. Et bien comme ça hier matin aux environs de 9h comme ça gon fusillade qui éclaté dans rentrée localité Brooklyn. Conséquence pour petit 5 moun nan perdu la vie yo, moun sa été trouvé dans une camionnette, yo mouri, parmi yo gen une femme enceinte là-dedans, yo gen l'autre qui est blessé qu'al prend soin mais était grave dans que était transporté yo en urgence dans l'hôpital pour capable recevoir soin que caillou nécessité. Nèg ki gen zam sa yo kap viv nan lokalite Boston toujours nan zone Cité Soleil akize comme moun ki ta ote fizyad sa. Selon information ke nou jwenn, dram sa pase aux environs de 9h nan matin konsa ayè nan mouman kote individu sa yo atake on lot machine ki yo suspect ki ta frekante blok la depi nan matin. Et en même temps tout fon dit que camionnette là c'est dans moment ça t'a pral passer le pas dans mauvais moment mauvaise zone. Et bien monsieur pas hésiter ouvert coup de zam sur camionnette là qui t'a la cause pour petit 5 monde mouri et puis plusieurs autres al prend soin et blessé très grave sous cabane l'hôpital. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays à acte nouvelle internationale dans 30 minutes 63.5 radio pyramide chaque jour 9h matin. N'a toujours été dans dossier insécurité hein, mais n'a faut quitter Port-au-Prince gain nous parlons département grand pays. Agent exécutif intérimaire commune bassin bleu à mettre Anthony Maniga qui c'est qui gain gros quel sous biscuit face avec action bandio à mener chaque jour dans ville bassin bleu qui sont section communale dans département nord-ouest et qui au point encore en otage. Monsieur Maniga mandé pour direction générale la PNH là mettez un nouveau commissariat qui doit placer dans zone stratégique là pour capable contrôler action bandio sans franin loyo et cap fait chaque jour et puis augmenter dans département nord-ouest effectif la police et bah yo bon équipement pour capable faire travail yo particulièrement et policiers qui dans bassin bleu qui c'est porte d'entrée département nord-ouest qui gagne 3 à 4 policiers pour une population qui gagne plus que 75 000 monde cap vinn ladan. Plus de détails à correspondant nous sergent Whiskey depuis il est là depuis plutôt département nord-ouest pays. Phénomène insécurité à la gego inquiétude dans mitan population haïtienne particulièrement dans commune bassin bleu département nord-ouest dans jour ça yo. Majorité paysan dans section communale yo pou yo pa victime en bas men bandi sans foi ni loi obligé abandonner section yo pou y prendre refuge dans ville lan et c'est même constat pour cela yo ka vive dans ville bassin bleu. Situation terrible ça préoccupé en pile président agent exécutif intérimaire commune bassin bleu monsieur Anthony Maniga qui mandé pour direction générale PNH lan placer un nouveau commissariat dans zone stratégique dans commune bassin bleu qui se porte d'entrée nord-ouest. Ensuite, mettez plus policiers dans commissariat yo particulièrement dans commune bassin bleu pour faire face à bandi yo parce que selon ancien magistrat commune bassin bleu monsieur Anthony Maniga, li pas possible pour commune bassin bleu qui gen la dé plus passé 75 000 chrétiens vivants pour seulement 3 grands policiers Anthony Maniga. Commune a fait face à insécurité. Mais insécurité a li sorti c'est pas pour nous entrer en dans centre ville là non. Capable gagner yon antenne dans centre ville là, c'est plus sous côté ville là, là après sous la Tibonite surtout Mon Saline, c'est là que ba yo plus grave. Et la bataille pour nous voir si ça va rentrer dans cette ville là et c'est ça que fait on a vu l'autre pour nous voir qui déjà marché pour commune capable joindre une sécurité. Agent exécutif intérimaire commune bassin bleu monsieur Anthony Maniga fait déclaration sur la yo vendredi qui était 23 avril 2021 dans occasion fête Saint-Georges qui c'est patron ville bassin bleu département nord-ouest Saint-Jean-Whiskis Pyramide FM.
Merci en pile, c'est Jean-Whisky, ça n'a pas retourné dans le département l'Ouest là avec un dossier kidnapping. Non, faut dire que depuis un bon bout de temps, nous constatons surtout phénomène kidnapping là, dans le week-end, yo, c'est là ça a plus augmenté, mais le week-end qui s'est passé là, sorti 24 et 25 avril là, nous constatons que phénomène kidnapping là continue à faire chemin sous yeux impuissants autorités policières et judiciaires qui pas jamais ouais si capable de jouer nos bout, mais qui toujours annoncé il a pris mesure que pour freiner les actes insécurité pour jouer un bout de phénomène ça. Eh bien, pendant 24 à 25 avril 2021, au moins 4 personnes kidnappées dans Port-au-Prince avec la ville qui est sur côté de l'eau. Il y a une pharmacienne qui identifiait sous nom Marie-Josette Malvoisin. Il était pris le 24 avril 2021 après elle définit dispensé cours dans la faculté de médecine et pharmacie dans l'Université d'État d'Haïti. Ravisseur a réclamé $400,000 américains en échange pour libérer la pharmacienne. Dimanche 25 avril, il y a deux autres personnes qui sont parmi eux. C'est un entrepreneur qui a kidnappé dans Port-au-Prince. Kidnapping ça a fait dans l'avenue Martin Luther King, tout près Riel Rivière. D'après ça, témoin yo fait qu'on est encore toujours dimanche 25 avril là, coordonnateur en conseil d'administration section communale Kazek dans la commune Tigou avant été enlevé dans la commune Delma pendant qu'il est sorti dans le studio de beauté. Moun kap vivre dans la commune Tigou avant été obligé bloqué dans un bon bout de temps route là avec machine et eux même gain prend initiative pour monter un gros mur avec roche et bloc pour séparer Tigou avant avec Port-au-Prince. Ça veut dire que plusieurs départements pral couper, moun sa décidé pour couper la route nationale là et c'est pas n'importe qui gens avec roche bloc ciment, sable, depuis hier matin, travail ça, les mêmes l'était constaté pour rejoindre la libération, mais Kazek là, yo kidnappé. Avec instabilité politique ça, problème socio-économique yo continue à augmenter plus dans pays, hein. Climat sécurité en pas jambou qui dégradé. Jodi et nous avons constaté que la situation est plus grave. Un premier ministre qui nommé là, c'est Claude Joseph, qui est également président du Conseil supérieur de la police nationale. Là. Instruction premier ministre n'a pas semblé bailler aucune réponse, puisque nous pas ouais effet. Et l'autre était passé bailler institution la police. En plus, on a demandé qui ça a passé dans le pays. Mais il y a une réaction qui a tombé, puisque il y a une association pharmacienne d'Haïti dans une note qui a été dehors. Condamné Zaka kidnapping qui fait contre pharmacienne, professeur dans faculté de médecine à pharmacien Marie-Josette Malvoisin, week-end passé dans Port-au-Prince. Et puis, pour l'État, il a demandé APH, qui c'est association pharmacienne pays d'Haïti, demandé libération, pressé, et pharmacienne, côté réclamé $400,000 américains pour libérer, et puis pour l'État, prendre toute disposition pour freiner Zak violence là, bandit à faire. Déclaration que nous donnons chaque jour, mais qui va jamais bouquer, qui va en fait. Nous parlons vite autant des déclarations. Pierre-Hugues Saint-Jean, qui c'est président de l'association, formation, pharmacienne dans le pays d'Haïti. C'est un communiqué qui nous sorti pour avec l'institution, donc nous connaissons que l'institution est particulière, donc pendant le week-end là. Donc, et parmi les victimes d'ailleurs, nous gagnons, la pharmacienne Marie-Josette Malvoisin, donc qui fait membre de la PH et professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Donc maintenant, les kidnappés, quand ils sont sur la route, on a dispensé son cours à la fois. Donc, et nous-mêmes, niveau association des pharmaciens d'Haïti, donc nous condamnons ça qui arrive, hein, nous condamnons et monter exponentielle l'insécurité qui vient dans le pays. Hein. Situation ça met en danger. Tout le monde a nous souligné tout. Donc, Paris s'était formé jeune, servi communauté. Hein. Donc, nous pensons que c'est certain que même Ravi Sérieux, yo même des proches, bénéficient de services sciences, savoir-faire et services pharmaceutiques. Ça fait nous demander pour nous libérer sans condition. Et nous profiter tout pour nous interpeller l'État, pour prendre disposition nécessaire pour garantir la sécurité de la vie avec bien dans le pays, parce que tout citoyen doit être capable de participer paisiblement à l'activité. Et là, vous remarquez que dans dimanche matin, et nous-mêmes, nous n'avons pas de disparition. D'après les disparitions, parce que nous constatons que les familles constatent qu'elles ne sont pas rentrées. Donc, nous parlons de disparitions parce que nous n'avons pas de disparition que c'est kidnapping. Parce que généralement, kidnapping, il y a pris l'eau, il y a moins de rançon. Donc, ça fait que nous parlons de disparitions. Et maintenant, l'après-midi, et dimanche, donc, il y a moins de rançon. Donc, l'État nous confirme que c'est un cas de kidnapping. Gravisseur contacté proche, il y a fait bon. Dimanche après-midi. Ok, dans dimanche après-midi, gravisseur contacté proche. Et rançon, comment ça est? Combien vous m'avez dit? Bon, il faut me dire que dans l'échange que nous avons gagné, parce que automatiquement, bah, là, ce qui me passait, nous sommes rentrés en contact avec les proches, et j'ai une situation en pays, j'ai une tension, j'ai une panique, c'est vraiment un moment pas trop opportun pour me demander combien de combien de demander. Parce que vous m'avez dit là.
Donc, ça fait que nous pas gagné pour nous rentrer en contact encore, le temps d'avoir plus d'informations. Mais en termes de cas, c'est comme que vous demandez, nous pas gagné une combien. Donc, c'est pas vraiment le moment pour demander combien vous demandez, qui côté lié, etc. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça fait que nous pas demandé ça. N'a pas rappelé pour, auditeur Radio Pyramidio, ravisseur, vous demandez $400,000 américains pour libérer, professeur universitaire, qui a fait cours dans l'école, étudiant pour étudiant en pharmacie, dans l'université d'État d'Haïti, faculté de médecine. Une situation, chaque jour, n'a pas tendé. Question, c'est qui côté n'a privé? Qui le n'a campé avec phénomène ça? Est-ce que ça va pas l'entrer dans mes, nous connaît là? Pour nous kidnapper tout le temps pour nous faire quoi? Qui ça, autorité a dit? Question ça, pourquoi j'aime gué réponse? Alors, on a toujours été dans sa game pour avec dossier kidnapping, nan, gué Marlene, Flora, Néristan, qui était, c'est n'est gros âme qui était enlevé devant l'hôpital université de la paix, ça t'est passé jeudi 22 avril, là. Eh bien, retrouvé comme mademoiselle ça, qui vient seulement 32 ans, mourir dans zone tabac, mais bien loin, enragé, côté, elle était à la gué colis, tout uni, elle était même boulée, pas en partie dans colis. Victime, non, c'est une étudiante en sciences infirmières, nan, université Notre-Dame dans le pays d'Haïti. Après que famille a été fin constaté cadavre avec Zamin, et bien c'était la peine. Étudiant qui dans faculté Notre-Dame dans le pays d'Haïti a plongé dans la peine, surtout si là yo qui était même dans même promotion avec infirmière Marilyn Florano Estan. Famille a découvert cadavre li dans commune Daba hier matin. Kamadio présenté comme une jeune fille qui était chargée avec sagesse la Kaili, qui était très intelligente, qui était toujours attaché avec étude li gen kek la dayo qui même était avec les dernières fois de disparaître là jeudi passé a présenté témoignage sous mademoiselle ça nous parler vite autant de quelques témoignages avec divers camarades de Marilyn Flora Noristan avant de disparaître jeudi et elle retrouver col hier matin gen pas bon parti dans col monsieur kidnappé ou bien moun ki assassin mettait du feu la dan et yo joine ni tout tourné par gen rad sou li entendre des déclarations quelques témoignages. Nous te jeudi dans stage là, nous passons une journée inoubliable et depuis jour, bah j'aime t'aider nos nouvelles. Nous mangeons ensemble, nous voyons comme d'habitude, journée nous est toujours inoubliable. Nous quittons l'hôpital là. Dernièrement, parler ce matin, c'est mardi. Nous pas fait stage même côté, mais il a toujours besoin qu'on ait nouvelle. Chaque jour, nous écrit. Il dit, BJ, ils n'ont pas bon, on s'en fait chéri. Il dit, ah, ma gade, si je peux rentrer, ma gade. Il dit, si je suis capable de faire la famille. Il dit, ok, pour les dents, je ne peux pas perdre. Il dit, d'accord, chéri, je fais pour les dents. Après ça, c'est le jeudi, pendant ma fête, l'hôpital Saint-François. Il y aurait les malades s'il parlait les mêmes. Non, une heure du matin comme ça. Il me dit non, papa la veille, non. Il me dit pas le faire stage. Il me dit oui, il est allé, oui, mais nous besoin qu'on est. S'il rentre parce que nous avons quitté l'hôpital. Et puis, depuis le mois, ça a nos paroles. Nous n'avons rien de nouvelles. Je me connais ça pour me dépenser. Tellement pas, je mange. Pas, je me fais même. C'est depuis vos amis. Que on pas quoi y a kidnappé un monde comme ça, ça ou pas mandé cop, ça ou pas. Et puis vraiment rien, c'est nous faire ça qui rive na cabane. C'est parce que moi une petite de me pas parler de ça là et puis moi même si nini yo tout est en mon là, zamou là mon dit pas ça. C'est fini. On pas quoi, on pas quoi comme cela que arrivé qui était en cause de notre situation comme ça. Bah ça était vraiment fait normal et comme si on était dit dans tout qui là comme si nous vivions un sentiment de vengeance comme si nous croyons dans le pays dans le vivre là nous jeunes qui a essayé comme cela qui a travaillé pour l'utile pays demain pour la sauver des vies et puis ces vies par lui prendre en retour. Bah ça vraiment fait normal. C'était un monde qui n'a pas de jambes comme si on a fait le monde. C'était une jeune fille vraiment courageuse. Il est toujours pour courage. Si mon yo, par exemple, si bien examen, pas de blague, toujours dit, ah, mesdames, vous avez pas de tête, non, bagaille, ça, au travail. Pour que vous ayez pas de jambes qu'on gagne contre la personne. Et non, gardez vraiment que ça choqué presque toute l'école là, parce qu'il reconnaît Flora. Flora, pas de jambes, non. En ensemble avec moi, c'est une jeune fille qui est très gentille et qui est très affectueuse.
Nous attendons avec un pile de la peine et consternation quand même que tout le monde obligé à bracher sous déclaration, témoignage que camarades qui étaient habitués avec Marilyn, Flora, Noristan, Bay, sous disparition jeune demoiselle Zara qui vient seulement 32 l'année, qui était dans deuxième année faculté et comme infirmière, qui après le sorti, c'est dans stage qu'elle était allée dans l'hôpital La Peine, à Delma 33, côté, mon n'y a pas arrivé identifié, pour la aller et à le découvrir cadavre, tout uni, dans un pileté, dans une zone tabac, mais bien loin. Il y a un jeune cadavre là, il y a un pile trace du feu sous lui, quand on a boulé, et donc, il y a jeté, même j'ai été fait pour Evelyne dans ces verres là, et c'est même, dans même couloir ça, tout, que, et Marilyn, Flora, n'est passé. Est-ce que n'a pas continué compter jeune fille qui a mouru dans condition ça, jusqu'il en a bouqué compter jeune fille qui a mouru dans condition ça, en pile question. Il y a un corps groupe là qui compose avec plusieurs ambassadeurs, pays l'Allemagne, Brésil, Canada, l'Espagne, États-Unis d'Amérique, la France, Union européenne, et qui représente spécial avec représentant spécial organisation État américain, yo représentant spécial secrétaire d'État général Nations Unies, yo même tout yo gen gros kèo sous bisquette face avec situation insécurité ça qui a plongé pays à chaque jour nan un trou que personne moun n'est pas capable di ki bol pralé, et yo même yo et exprimer et préoccupation yo face avec absence yon accord politique qui capable permettre yon mette en œuvre yon calendrier électoral avec yon climat de paix dans pays a corps groupe mandé pour que année 2021 ta yon année de renouveau démocratique dans pays d'Haïti. Corps groupe constate que pas gagner démocratie en vrai cap travail dans pays a li mandé pour gagner élection libre juste transparente à crédible dans pays a li mandé à responsable pour organiser processus électoral là cap souffrir des pour un bon bout de temps que c'est en premier lieu et puis les mandé à autorité nationale yo tout pour essayer cap travail pour traiter question essentielle là qui c'est causer mettre un bout à phénomène insécurité ça disparition monde pour l'argent et même gain là d'ailleurs à l'exécuter bagaille ça commencer by gros problème. Corps groupe mandé toute partie qui fait tout acteur qui dans crise là pour yo faire preuve de bonne foi yo, pour yo redoubler d'efforts pour capable joindre un accord politique qui pourra faciliter que gagne élection qui fait dans pays en anti tak pas trop long. Li encourager tout acteur autour pour mettre différents sous côté pour capable joindre sans tarder une solution commune à crise en pays a connait notamment problème insécurité a kidnapping nan cap peser lou sous la vie chaque grain haïtien dans pays d'Haïti. Quant à pour ça que les changements constitution, corps groupe a exprimé préoccupation devant le fait que processus ça galel pas semblé vraiment non stade suffisamment inclusif, c'est corps groupe qui a parlé. Et pas il pas suspecte que a gagné participation en pile monde ni tout ça pour le fait n'a pas pas être transparent. Yon telle réforme ta doué dérouler sous yon base plus large de consultation qui pral impliquer ensemble force vive nation ko groupe et quoi que référendum ça met un point d'interrogation bon côté li fait konnen que année 2021 sera année qui crucial pour haïtien ça va le permettre avec haïtien yo et haïtienne yo exprimer volonté yo par voie démocratique pendant y a exercé droit de vote que yo gagné. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays, à nouvelle internationale, dans 30 minutes, 63.5, Radio Pyramide, chaque jour, 9h du matin. N'a toujours été dans le dossier ça tout, gain 68 membres dans le Congrès américain qui mandé pour font pour le gouvernement américain réévaluer politique que la pratiquer dans pays d'Haïti. Dans environ 68 membres dans le Congrès qui gain en tête chaud représentant Gregory Mix qui c'est représentant ensemble avec représentant Jeffrey qui c'est président House démocrate là, yo voyé une lettre par secrétaire d'État américain Blinken pour mander pour le West capable réévaluer forme politique la développer dans pays d'Haïti qui était là depuis sous président Donald Trump. Yo croit que yo pas capable kembe forme situation ça d'après ça que note là lui-même continue pour le dire alors que département d'État lui-même était préoccupé était bail
toute avili sur dossier élection comme réponse à impasse politique là que pays a traversé kounye là. Eh bien, membre congrès a déclaré que président Jovenel Moïse pas crédible, li pa gen légitimité nécessaire pour être capable faire ni référendum constitutionnel la paléa dans mois de juin ni élection qu'a paléa dans finissement année 2021. En al gade dans dossier élection, gen un paquet de bagay qui pa paré. Donc nous croyons que c'est une autre fois encore n'a pas dit nous pral gaspiller toutes ressources que nous gagnons dans pays d'Haïti alors que situation élection ça pral développer son crise de stabilité politique et qui pral gagner en pile violence d'après l'être là qu'a parlé. Même congrès yo exhorté département d'état pour soutenir processus de changement qui doit fait dans pays d'Haïti. L'être là voyageté tout interprétation par administration Biden sur affaire mandat président Jovenel Moïse, une position que yo quoi ni administration Biden nan, ni ONU ni OEA soutenir et pour peuple haïtien même yo déterminé que mandat président Jovenel bout déjà. Donc il pas gain légitimité comme dirigeant et non pas comme pour même mettre cadre et pour le taper au gouvernement. L'État a dit que c'est seulement peuple haïtien qui détermine pour le compte qui est-ce qui est légitime, qui dirige la besoin et qui gouvernement la besoin tout. C'est pas gouvernement étranger qui pouvait décider pour peuple haïtien. Toujours notre la capali. De l'autre côté, situation politique là, dans l'État là, demandé administration Joe Biden là pour mettre un bout avec cause voyer haïtien tourner dans pays yo sans décabrer les déportations. Plus que 1500 haïtiens déjà déportés venant en Haïti sous administration Biden nan, depuis janvier l'entrée là. Donc membre qui 68 membre congrès mandé on le fait encore pour l'administration Biden nan bay TPS à tout haïtien qui était déjà gagné lio. Mon qui sien let sa yo gagné président comité éthique là, affaires étrangères, sécurité intérieure aux États-Unis et responsable la justice là toujours dans congrès là, responsable des régions, gagné responsable la science, responsable espace technologie, petite entreprise avec voix et moyens, et bien c'est mon sa yo qui sien note ça. Tout démocrate yo sous-estimé qui formé alors gagne l'autre groupe député tout gagne député qui fait partie de l'hémisphère occidental congrès qui a approuvé message ça que vous voyez by administration Joe Biden principalement secrétaire d'état américain pour le fond réévaluation sous dossier pays d'Haïti. Puisque n'a parlé de référendum, gagné historien Georges Michel qui fait connaître que pouvoir toujours continuer à cocher avec un projet référendum constitutionnel là. Conseil électoral provisoire contesté a été annoncé, il a fermé registre référendum yo hier lundi, qui était 26 avril 2021, à partir de minuit. Donc, KIP contesté a encouragé les citoyens pour remplir formalité pour faire 4 identifications nationales. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de monde qui n'a jamais fait 4 là. Historien Georges Michel, qui renouvelle les positions, fait qu'on est pas d'accord avec la question référendum constitutionnel là. Chef l'État voulait organiser à tout prix, d'après lui-même, document ça, qui en circulation semblait constitution 1964. Là, que François Duval était fait, et il semblait tête pour tête tout avec ça qui était fait dans l'année 1935, l'Esténio Versa des présidents. En tant que déclaration historien Georges Michel. Notre grand texte constitutionnel, en 87, nous pensons que ça pas le permettre, non, l'État a fonctionné, etc. Mais on a vu, après des analyses et même et pratiques qui découlent des constitutions, nous rendons compte que loin pour l'État permettre l'État fort, parfois il affaiblit l'État. Les lois, comment désorganiser et les pouvoirs de l'État, ou une logique de marchandage, une série de postes, etc. Puis qu'on passe un peu le temps, tout ne va pas mettre le gouvernement. Ou pas faire constitution pour l'affaiblir, ou faire constitution pour permettre d'organiser des tout. Donc maintenant, nous rendons compte que après quelques temps, des années, c'est un problème. Donc c'est pourquoi que grand pile mon dans la société a, avant le président Jovenel Moïse, même des temps ouais que soit nous faisons une réforme en profondeur dans le texte constitutionnel là, ou bien un nouveau texte constitutionnel. Nous rendons compte que c'est une première tentative qui était faite il y a à peu près une dizaine d'années, nous avons fait le débat. Jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que texte à amendement pas de bon. Il y a des gens qui disent c'est comme si le pays a gagné deux constitutions. Donc là, on arrive dans la situation, ça, leur peuple, pour un moment de la durée, faut qu'on fait partie des élites, faut qu'on prenne responsabilité à demain. Moi, j'entendais, bon, regardez, oui, moi-même, personnellement, j'entendais ça, mais ça, moi, que c'est que, en pire, on y a pris position contre là. C'est pas parce que contre une nouvelle constitution, non. Il y a contre, bon, on connaît.
comment ils ont fait exclusion. Mais maintenant, encore une fois, moi, je crois que la porte est toujours ouverte et pour venir. Parce que le président a intérêt pour faire une constitution. Pour contre lui, il n'y a pas d'ailleurs pas pour lui. Ce n'est pas lui qui va le bénéficier. Et tout le monde qui pensait que, parce que le gouvernement, le texte que c'est CCI fait, il n'a pas fait pour lui. Moi-même, moi, je crois que il est toujours ouvert. Et puis, tout ça, il n'y a rien à faire pour tout le monde, pour tout Haïtien, pour nous participer. On n'a qu'à tout le temps dans le pays, c'est dans l'orbeil, pour nous résoudre le problème pays. Il n'y a pas besoin tel des matins. Ou retourner, puis l'autre groupe a retourné, on a fait des autres. Pendant ce temps, pays, il n'a pas être l'aide sur la scène internationale. Et justement, c'est que la demande, globalement, c'est que faut tout le monde participer. Mais si vous n'y pas voulu participer, ça, c'est notre histoire. Maintenant, on prendra acte que la société a pas voulu participer. Mais c'est pas qu'on a volonté affichée ou bien recherchée du côté des membres de l'exécutif ou bien des membres du CEI, y compris d'autres monde qui ont soutenu le projet, pour penser qu'il y a même seulement, il y a qu'à faire un document pour le peuple haïtien, pour imposer lui. On n'est pas dans la logique de l'imposition, on est dans la logique de la concertation. On est demandé pour le plus participatif, inclusif. Et si on a des tout de notre. Donc moi-même, tout ça n'a pas du tout. Il y a un document, il va commander 11 000 haïtiens écrits. D'accord sur ça. Il faut qu'on premier draft qui écrit, et puis même là où tu as gagné une assemblée constituante, etc. Ce n'est pas tout haïtien qui fait une section verte dans la 40 pages écrit là-dedans. Donc moi-même, nous voulons le processus participatif, inclusif. Et là, il faut faire des bandes dans ce société. Nous sommes les déclarations historien Georges-Jean Michel qui t'a parlé sur le dossier référendum dans le pays d'Haïti. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.
Thank you.